Avant tout, sache que tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi. Bon, donne-moi nom, prénom, âge, profession. Dirden Gabriel, j'ai 21 ans et je suis étudiant en sciences sociales. Tu faisais quoi samedi soir ? J'étais chez moi et je suis sorti vers 21h pour aller boire un verre devant le match de l'équipe de France. Je suis rentré, il était à peu près 2h du matin, je crois. Mais excusez-moi, je comprends pas très bien pourquoi je suis ici. Vers 1h30 du matin, on nous a appelé pour nous signaler un meurtre. La personne qui a appelé a raccroché tout de suite. Comme on n'avait pas de piste, on a retracé l'appel. Je suis Anthony Perkins, et un homme s'est fait tabasser. Il est par terre et ne répond plus. Saisis-toi là. Hey. Oh, 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 oh. J'ai des images, mais et tout est flou. Je suis passé devant une ruelle et les deux hommes se battaient. J'étais pétrifié. Un des deux s'est acharné sur l'autre et il a frappé tellement fort que je pouvais ressentir la puissance des coups. Je me suis caché au coin de la ruelle et quand l'assassin est parti, je suis allé voir. Par peur, je suis parti sans rien dire. T'as pas vu la tête de l'assassin ? Non. Je me souviens juste qu'il avait une chaîne maillée en argent, avec une bague qui était accrochée. Bon, je vais en parler au commissaire et on va voir s'il y a des caméras sur les lieux. En attendant, tu me signes ça, tu rentres chez toi et tu peux aller te reposer. J'ai regardé un peu le dossier de notre ami Gabriel. Ah, il est clean, hein, pas de casier, rien. J'ai juste trouvé le rapport d'un médecin expliquant ses doutes quant à sa santé mentale. Alors apparemment, il lui avait conseillé d'aller voir un psy, mais il l'a pas fait. Le médecin pourra plus nous aider, il est décédé depuis. Mais alors, lors de la dernière séance, il était assez formel, hein, il émettait clairement des doutes sur sa santé mentale. Il parlait notamment de schizophrénie. Maman ? Je suis rentré ! Yeah.
Arrête. Y a quelqu'un? Arrête de faire comme si j'existais pas. C'est quoi ton problème? Je fais tout pour que tu me reconnaisses enfin. Mais à chaque fois, tu te persuades que c'est faux. Que je suis faux! Cette fois, tu sais ce que j'ai fait? J'ai fait un truc que tu pourras jamais effacer.